bienvenue sur le plateau d'HP Hour. C'est notre 73e numéro et nous fêtons aujourd'hui l'été puisqu'on est le 20 juin. Et d'ailleurs s'ouvrent également les fêtes de Tarbes que je vous encourage à consommer sans modération. Mais qui êtes-vous? Mais c'est le retour de Claire. Claire est revenue après des mois d'absence. Pourquoi? Parce que on en avait déjà parlé avant que je m'en aille. Donc j'ai une petite fille qui est née. Et donc je me suis absentée pour m'occuper d'elle un petit peu. Et qui s'appelle Héloïse, voilà. Et que l'on salue. Et donc pour fêter le retour de Claire, j'ai mis le t-shirt spécial Angleterre, puisque vous le savez, Claire nous propose chaque semaine sa chronique anglaise. Et d'ailleurs ça tombe bien puisqu'aujourd'hui ce n'est pas du tout ce dont elle va nous parler. Voilà, et là j'ai envie de te dire merci Claire pour ton retour. tu nous fais des surprises. Alors de quoi tu vas nous parler? Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe de 4 musiciens. C'est un quartet donc, et le groupe s'appelle LDCO Quartet. Et on en parle dans quelques petites secondes. Juste le temps pour moi de vous présenter Virginie, qui aujourd'hui est là parce qu'elle avait envie. Tu n'as comme pas ça. D'amis. Tu t'es dit, je vais venir. Voilà. J'ai fait de la lumière. Je suis venue. Ben justement, je vais te présenter de nouveaux amis. Il s'agit de Claudie et Ludo, puisqu'il s'agit d'une émission, vous le savez aujourd'hui, spéciale fête de la musique. Et donc, on va un petit peu parler chansons, parler artistes, parler musique. Et vous viendrez d'ailleurs nous présenter tout à l'heure en live une chanson qui s'appelle La Griffe musicienne et que l'on découvrira ensemble. Merci d'être venu. Voilà, là, ils sont un peu apeurés parce que hors antenne, on fait des choses complètement d'un autre temps, mais ce n'est pas grave, tout va bien se passer. Claire, je vais te laisser la parole et ce sera juste après ton jingle que tu vas nous présenter, donc LDCO Quartet, c'est parti. Aujourd'hui, pas de chronique anglaise, chronique plutôt musicale, parce que demain c'est la fête de la musique. Donc, je vous parlais d'un groupe qui est composé de 4 musiciens, dont 3 flûtistes, flûte traversière, et à l'heure actuelle d'un guitariste, guitare sèche. Donc ces 4 musiciens jouent un répertoire qui est assez varié et qui est sur la thématique du voyage. Donc ils voyagent à travers les époques. Ils vont par exemple Vivaldi, Marin Maré, Chick Corea, d'autres personnes, et aussi à travers les continents. D'ailleurs c'est ce qu'on entend actuellement. Il y a la guitare où il y a des frappés sur la flûte aussi. Et donc le morceau que vous êtes en train d'écouter s'appelle la Rumba d'Armando. Voilà. Donc ce groupe est composé donc de trois flûtistes, et parmi les 3 flûtistes vous avez 2 tarbés. C'est la raison pour laquelle on parle de ce groupe. Et une des raisons est parmi les deux flûtistes tarbés, vous avez ma sœur. C'est aussi pour ça que voilà, j'en parle aujourd'hui. Mais c'est complètement comment on appelle ça, du conflit d'intérêt aucun conflit d'intérêt. Donc vous avez parmi les musiciens une des flûtistes qui s'appelle Marie-Émilie, qui vient de Sainte-Afrique. Donc ça reste quand même de la région, Sainte-Afrique. Oui, parce qu'il faut rappeler que Sainte-Afrique se situe à En Aveyron. Voilà. Et pas du tout en Afrique. Non, c'est ça. Parce que tu dis ça, les gens qui connaissent pas, ils vont se dire comment ça. Non, c'est en Aveyron. Ensuite, vous avez donc Hélène qui est ma sœur, qui vient de Tarbes. Vous avez Fabien, qui est aussi un Tarbé, qui a aussi fait ses études sur Tarbes et sur Séméac. Et le guitariste qui s'appelle Bertrand et qui lui vient de Bayonne. Donc tous ont une formation musicale en passant par soit des écoles municipales, soit des conservatoires à rayonnement communal ou à rayonnement régional. Donc soit formation musicale, instrument, ils ont des diplômes d'État pour qu'ils enseignent dans des différentes écoles ou autre structure. Et même Fabien, lui, il est prof de musique dans un collège. D'accord. Et donc ils se sont regroupés et ils ont créé ce groupe qui est, ma foi, très sympathique et qui joue très très bien. Ils font même des créations musicales parce qu'ils aiment beaucoup ça. Et ils vont se produire cet été, pour ceux qui sont intéressés, pour les écouter. Nous, ça nous intéresse. Voilà. Ils vont jouer aux festivités de Blagnac. Blagnac se trouvant à côté de Toulouse. Ce sera le 19 juillet. Et ils seront à l'église de Briolles, dans l'Aveyron, le lendemain, le 20 juillet. Et si vous êtes intéressé pour les faire venir par ici, n'hésitez pas. Vous allez voir défiler en dessous leur adresse Facebook et vous pourrez les contacter. Et ils ont aussi sur le SoundCloud, et vous pouvez aussi écouter les morceaux de musique qu'ils jouent. On mettra tous les liens sur la page Facebook de l'émission. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claire. Et bien, avec plaisir. Nous, on est très preneurs sur les groupes locaux. Et c'est aussi une des raisons
pour lesquels nous recevons aujourd'hui Claudie et Ludo. D'ailleurs, la première question qui me vient, c'est il n'y a pas de nom de groupe en fait. Comment non. C'est parce que c'est vous l'artiste et que vous êtes accompagné. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ben voilà. Voilà. Et donc vous venez d'où? Ben moi de Lourdes. D'accord. Voilà. Et Ludo, moi de Bordeaux. D'accord. Ah oui, donc vous êtes quand même. Comment vous faites pour répéter et tout ça? Ben tout par téléphone en fait. D'accord. Non, c'est pas vrai. Non. Moi je sais pas. Moi on me dit. Je sais pas. Non, on se voit des week-ends. D'accord. En fait, c'est mon beau-frère également. D'accord. Donc, du coup. Ah, mais c'est comme chez toi, tout ça. Voilà. D'accord. C'est plus facile pour se voir. D'accord. Alors, je crois que là, vous avez fait la gentillesse de venir nous voir avec une version un peu réduite pour rentrer dans le studio, mais qu'il y a d'autres, d'autres musiciens qui vous accompagnent. Normalement, il y a Lucille au saxophone et qui chante aussi, et Bastien au caron. D'accord, que l'on salue tous les deux, et peut-être une prochaine fois. Et Cyrielle aux percussions aussi. D'accord, qui c'est entre important. Oh, oui. D'accord. Donc voilà, quand la production aura agrandi les studios, on pourra vous recevoir avec grand plaisir. Alors comment vous définiriez le style de musique que vous proposez? Ben, en fait, c'est des chansons surtout en français, des chansons à texte qui véhiculent des messages. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et moi, je compose, donc j'écris mes chansons. Et qui écrit les textes? Moi aussi. Je donc vous faites les deux? Voilà. D'accord. De toutes les compositions? Oui. D'accord. Et alors, depuis combien de temps vous produisez Ben, en fait, ça fait pas longtemps. Ça fait 3 mois environ qu'on se produit un petit peu dans les bars, etc. Et là, voilà, c'était l'opportunité de se produire à nouveau. Donc, c'est assez récent. D'accord. Mais on est passionné musique depuis bien plus longtemps. D'accord. Donc, si les gens nous regardent et sont, par exemple, œuvres au sein d'une association ou d'une municipalité, ils peuvent vous ils peuvent vous contacter, d'accord? Oui, avec plaisir. Où on peut vous contacter? En fait, moi, j'ai un site Facebook, donc c'est Claudie Eva. D'accord, ça s'inscrit en bas de votre écran et on mettra le lien sur la page HP Hour. Voilà, on peut me contacter. Donc, n'hésitez pas à contacter Claudie par ce biais. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour la fête de la musique, donc demain? Oui, en fait, on chante à Pau. Voilà, attention, notez. À la Cité des Pyrénées, ça s'appelle la Coulée Douce, exactement l'endroit où on va chanter. D'accord, donc la Coulée Douce, demain, c'est à quelle heure? C'est entre midi et 14h. Voilà, donc n'hésitez pas, en plus c'est bien, c'est en journée, ça vous permet de faire plusieurs concerts dans la journée et en soirée. Bon, on vous retrouvera là-bas, mais avant tout, on va vous découvrir justement pour nous avoir un petit avant-goût de ce que vous allez proposer. Un titre que vous nous offrez en acoustique, ça s'appelle La Griffe Musicienne, c'est vous qui l'avez écrit et composé. Voilà, c'est ça. Et on le retrouve tout de suite en plateau. Et on se retrouve, nous, après, pour la suite de cette émission spéciale Fête de la Musique avec J.B. Bullet. Donc, merci encore d'être venu. C'est nous qui vous remercions pour avec grand plaisir. On vous libère le plateau et on découvre ensemble La Grive Musicienne. C'est parti. Quand arrive la saison, elle plie pas gage. Poussée par ses raisons, elle prend le large. Twinkle, twinkle,
bravo à Claudie et Ludo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, très bien. Les filles. Très, très, très bien. Ouais. Et je me tourne vers notre nouvel invité, JB. Comment tu as trouvé? Alors c'est formidable. Très, très bien. Voilà. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire qu'un des professionnels vous donne leur avis. Voilà. On reçoit donc JB Bullet pour cette émission spéciale Fête de la musique. On pouvait pas mieux tomber pour une émission spéciale Fête de la musique. Comment ça va déjà? Super. Est-ce que les filles vous en ont bien accueilli? On va se tutoyer peut-être. T'ont bien accueilli De manière admirable. J'ai passé un excellent moment. Merci les filles. Hein, Virginie? Alors Virginie est fan. Il faut que je vous dise, il faut que je vous parle des quiz parce que Virginie est limite un peu groupie. Donc voilà, si tu veux toucher, tu peux. Enfin, je me permets. Merci Virginie. Non mais voilà. Alors nous allons donc. Alors beaucoup de gens le connaissent, mais on va peut-être poser des questions sur le parcours de JB et puis tout ce qu'il a amené à aujourd'hui à proposer l'album que l'on sait qui est sorti, qui s'appelle Du cœur au stylo. Tout à fait. Voilà. Donc comment ça t'est arrivé la passion de chanter, de vouloir peut-être en faire quelque chose d'un peu professionnel? Tout ça, c'est arrivé comment? Ben, c'est depuis que je suis petit en fait. J'ai toujours chanté, braillé sous la douche et à droite à gauche, joué un petit peu de piano. Et la musique, c'était toujours un langage que je voulais apprendre à maîtriser. Et par une succession d'événements, quand j'étais petit, j'ai pas vraiment pu. Donc plus j'avançais dans les études, plus je me suis dit quand même ça me manque, c'est un regret que j'aurai plus tard si je le fais pas. Donc quand j'ai fini mes études, je me suis dit bon ben allez, on se lance, on va aller chanter dans la rue avec sa guitare. Puis une chose en entraînant une autre, voilà, on est là aujourd'hui. Alors beaucoup de gens qui nous regardent t'ont découvert grâce au titre que tu avais fait par rapport aux événements, aux attentats de Charlie. Là aujourd'hui c'est quelque chose qui te poursuit un peu ou c'est quelque chose qui que tu assumes, j'imagine que oui, mais est-ce que c'est pas un peu lourd à porter Bah c'est ça fait partie de mon histoire en fait, donc j'ai appris à l'accepter. La période la plus dure, ça a été les jours qui ont suivi et puis on va dire les 6 mois après jusqu'à l'été dernier, parce que je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait, ni je savais pas du tout comment appréhender ça, parce que du jour au lendemain je fais des petits concerts avec des copains dans les bars, je passe sur des plateaux télé en direct dans toute la France. C'était un petit peu troublant, donc il a fallu prendre le temps et prendre du recul pour apprendre à accepter cette situation, se rendre compte des choses, comment ça allait se passer, qu'est-ce que je devais faire. Donc une fois que j'ai un petit peu réfléchi à une stratégie à mettre en place, si je puis dire, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je professionnalise mon travail. Donc j'ai recruté des musiciens qui sont devenus de très bons amis maintenant, et puis on a travaillé sur un album et sur un spectacle. Alors l'album, parlons-en, puisque c'est donc Du cœur au stylo, tu nous as rappelé le titre tout à l'heure. Comment il est né? Quel est son contenu? Est-ce que c'est toi qui fais parole et musique, ou les deux, ou l'un ou l'autre? Enfin, raconte-nous un peu. Alors comment, déjà le titre, pour l'anecdote, en fait ça vient d'une des premières interviews que j'ai pu faire. C'était avec une dame du Parisien. Et en fait, qui m'avait appelé le lendemain matin de ma vidéo de Charlie, qui m'a dit « Mais comment ça vous est venu? Comment vous avez écrit cette chanson ?» Je lui ai dit « Bah, j'ai pas réfléchi, j'ai dit vraiment ce que je pensais, ce que je ressentais, et j'ai cherché à ne pas me censurer, j'ai vraiment écrit ça du cœur au stylo directement. » En fait, c'est une formule qui lui a vraiment beaucoup plu, elle a mis ça en tête d'article. Et donc du coup, première un petit peu interview qui paraît, tous les amis, la famille, oh là là, du cœur au stylo, quel beau sens de la formule, ça ferait un beau titre d'album. Et je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, parce que je trouve que ça représente bien la manière dont j'ai pu écrire cet album en fait. Donc voilà, j'ai écrit tous les textes, j'ai mon coloc Rookie que vous avez reçu la dernière fois. Que l'on a reçu, qu'on a retrouvé au Pic d'Or, enfin voilà. Tout à fait, qui est venu me filer un petit peu des coups de main. Et puis au niveau de la musique, j'ai travaillé des guitares-voix. Et j'ai aussi travaillé avec un compositeur qui s'appelle Benoît Krabos, du groupe Le Trottoir d'en face, qui vient d'Orthez. Et avec qui on a fait tous les arrangements, qui a fait pas mal de compositions dessus. Et voilà, ça a donné cet album. Et après on l'a enregistré avec mes musiciens, dans des conditions un peu particulières, parce que ça... On a dû tout reprendre de zéro à 5 semaines de la deadline, donc ça a donné un petit sprint final assez sympa. Mais voilà, on est plutôt content du résultat. Et alors pour les gens qui nous regardent et qui connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais définir un peu le style musical que c'est? Et puis surtout, où est-ce qu'ils peuvent se procurer l'album? Alors au niveau du style musical, c'est assez varié, puisque en fait c'est un album, ce qu'on appelle un album concept. Donc il est construit comme une histoire.
Donc il y a 12 titres qui se suivent dans un ordre cohérent. Et comme l'accent a été mis sur les textes, il y a beaucoup de styles différents. La dominante, ça va être plutôt folk, mais il y a des consonances un petit peu électro, pop. D'accord. Et l'oiseau, c'est une balade un peu irlandaise, ça fait un peu chanson de marin. Oui, donc rock. Assez éclectique en fait. Assez éclectique, ouais. D'accord. Et donc on peut se procurer l'album où ça? Alors, on peut se le procurer sur Tarbes et environ au Méridien, on peut se le procurer. Dans les magasins de musique de la ville de Tarbes. Et sinon, pour l'instant, je le vends via mon site internet, donc www.jbbulet.com. Ça s'écrit là. Voilà. Et pour l'instant, ce que je fais, c'est que je l'envoie directement chez les gens avec un petit mot, parce que je trouve ça plus sympa que de mettre ça sur internet de manière impersonnelle. Donc, ce que je ferai plus tard. Voilà, donc pour l'instant, la distribution se fait comme ça. D'accord, donc c'est bien noté. Virginie, tu avais une question? Ouais, par rapport, donc j'ai déjà écouté certaines de tes chansons et tout ça. J'allais bien écouter. Et je me demandais aussi quel sujet t'inspirait le plus, parce qu'on voit que c'est quand même des chansons aussi qui portent sur la société. Mm-hmm. Et les thèmes, comment ça te venait, si c'était parce que tu tombais sur un reportage ou un événement particulier qui se passe, enfin des choses comme ça quoi. Bah en fait, l'inspiration, pour cet album, j'ai voulu un petit peu l'écrire comme une histoire. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune qui est très engagé dans la société au niveau local, qui est bénévole, etc. Et qui se heurte un petit peu à la société dans laquelle on vit et les valeurs qui sont un petit peu véhiculées. Et en fait, l'inspiration m'est venue j'ai essayé de rechercher... de faire un peu le bilan de mes 27 jeunes années de vie et de raconter ça et via un narrateur, donc avec des fois des points de vue différents. Et c'est vrai que c'est des sujets, tout ce qui est société, tout ce qui est le temps qui passe, les gens qui partent, les décès, etc. C'est des sujets qui m'inspirent plus que des chansons d'amour, comme on peut entendre peut-être de manière plus classique. Donc comment ça m'est venu? Oui, je pense que c'est des sujets qui me tiennent plus à cœur, sur lesquels je me forme avec plus de facilité. Voilà. Alors si vous voulez découvrir toutes les thématiques abordées par JB au travers de ses chansons, sachez que vous pouvez le retrouver dès demain, puisque c'est la fête de la musique, hein, c'est l'émission, la thématique d'aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver à 22h15 sur la place Verdun à Tarbes, pour un concert évidemment, et puis le 25 juin à Vic-en-Bigorre, pareil, en soirée aussi, pour un concert. Et j'ai une exclue, je crois même qu'on peut te retrouver avec l'asso Albert Périguerre à la rentrée, pour leurs 50 ans, tu me le confirmes ou pas? Tout à fait. Voilà. Ça fait merci, bonne info. Oui, mais on travaille ici, voilà. Est-ce que le titre Aurore est sur l'album? Parce que moi, j'ai pas encore l'album. Il est sur l'album. Donc, ça tombe très bien, puisque ce titre, c'est celui que tu vas nous présenter en acoustique dans ce studio. Donc, on est chanceux, et en particulier Virginie, puisque c'est un titre que tu aimes bien. C'est même ton titre préféré. C'est mon préféré. Je sais tout. Donc, on va le découvrir. Tu connais? Non, je connais pas. Ah, mais tu vas voir. Non, c'est pour ça. Steve, je suis désolé, moi je te la chanterai. Excusez-moi, mais je n'ai pas l'album aussi. Alors voilà. Ça va pas du tout, il va falloir remédier à non, ça. Non, mais oui, mais qui est votre manager? Où est-il? Je voudrais avoir un exemplaire journaliste, quoi. Je comprends pas. Mais je vais faire en sorte que tu aies un album. C'est très gentil, je suis très touché. J'écouterai avec attention Aurore, mais on va en avoir un aperçu en acoustique. Merci d'ailleurs de nous le proposer dans cette version pour HP Hour. C'est tout de suite pour vos yeux ébahis et surtout vos oreilles. Nous, on se quitte avec une petite pointe de tristesse, hein, puisque c'est déjà fini. Et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevrons, on restera toujours dans la musique, hein, puisque nous recevrons Raphaël de AL Music, vous le savez, qui propose une chorale, des ateliers pour enfants, mais aussi des concerts. On en parlera avec elle. Ce sera la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et tout de suite sur le plateau d'HP Hour, JB Bulet, Aurore. Toujours t'implore, mais docile.
ces étoiles que tu explores, tant bas me sont inconnues, le bleu de tes yeux me glace, un frisson perçant qui me mord, perdu dans l'infini de l'espace. Seul face au soleil levant, qu'il n'existe plus d'aurore. Des années chaque soir, mais qui chaque matin s'enfuit. Une larme en coule encore, à chaque fois plus pesante, et sous une mèche de cheveux d'or, son regard boréal me hante. Ça fait bien longtemps maintenant, j'aimerais pouvoir dire que j'ignore, seul face au soleil levant, qu'il n'existe plus te dire, c'est l'heure de ton jingle. C'est parti, le jingle est parti. Donc me revoilà, parce que j'étais absente pendant un petit moment, mais je... Mais oui. Mais ça... Attends, faut refaire, ça va pas du tout ça. Il faut que je le dise dès le début, c'est le retour de Claire, personne ne me le dit. J'ai mis le t-shirt anglais exprès, bon je recommence. Putain. Je le savais. Faut tout refaire. Alors, le titre aura sur l'album, et ça tombe très bien puisque c'est un titre. Alors, si vous ne savez plus, monsieur le réalisateur, dans quelle caméra il faut que je regarde, dites-le moi tout de suite. Parce que là, ce n'est plus possible. C'est où? C'est là? D'accord. Alors.